Le moustique, c'est un animal domestique ou un animal sauvage? Petit, doucement, il ne faut pas m'appeler petit, doucement. C'est un animal, bon, sauvage. Bon, petit, animal sauvage. Non, là, je suis tombé. Au moment que j'ai réfléchi après, bon. Je vais dire les deux. Le principe est simple, la question est les pièges. Les gars vont tomber, on ne sait pas encore. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Relous 237. Avant de commencer, pour ceux qui nous découvrent, c'est 4 actions en 1. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu likes et tu nous lâches un petit commentaire. Merci. Alors bonjour gros. Bonjour. Moi c'est Josby et toi? Idriss, moi c'est Idriss. Ah, d'accord, Idriss, enchanté. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, je vais très bien et vous? Si tu vas bien, tout le monde va bien, d'accord. Ok, on a une petite question pour toi, d'accord. D'après toi, le moustique est un animal domestique ou sauvage? Le moustique, c'est un animal... Bon, je crois que c'est les deux. Hein. C'est les deux? Ouais, les deux. C'est ce que tu penses? Parce qu'il y a les moustiques à la maison, il y a même moustiques dans la forêt en fait. Le moustique, c'est un animal domestique ou un animal sauvage? Question un peu... Bon, peut-être un animal sauvage. Un animal sauvage, c'est sûr? Bien sûr. Un animal sauvage. Pourquoi ça? C'est la pousse sur le sang, non? Ça n'a rien de doux. À ton avis, le moustique, on connaît bien le moustique, non? C'est un animal sauvage ou un animal domestique? Je vais dire les deux. Sauvage dans le cadre où il se retrouve quand même dans la brousse. Mais domestique parce que le soir, on peut le retrouver dans la maison. Du moins, il est dans les deux milieux. Bon, on peut dire un animal sauvage. Pas sauvage. Bon, parce que je pense qu'on n'a pas domestiqué en tant que tel. Donc, on se retrouve un peu de partout, comme les animaux qu'on retrouve en fait de partout. Quoi. Oh, c'est compliqué. Mais je t'ai demandé si c'est un ou l'autre. Ça veut dire que moi, dans ma tête, c'est pas les deux. Donc, choisis un, quoi. Un moustique, c'est un animal, bon, sauvage. Moi aussi, c'est un animal sauvage. D'accord, c'est ce que tu penses. D'accord. Donc, comme il est dans les deux milieux là, tu dis que il est sauvage et domestique en même temps. Je dirais, oui. Bon, peut-être que c'est faux, mais je pense que les deux. C'est tout ce que tu as dit. Tu m'as posé une seule question. Non, par rapport, si tu as encore des arguments à donner, c'est... Simplement, je disais que je pense qu'il est dans les deux milieux parce qu'en même temps, on le retrouve dans les zones, on va dire, la forêt, ou oui. Bien en même temps, on se retrouve dans la maison. Parce que c'est dans la maison qui pique souvent les êtres humains et ils donnent le paludisme. D'accord. Pourquoi tu as directement passé à le match animal sauvage? Bon, il nous fait un peu de la caractéristique de notre environnement. Bref, il vit un peu dans un milieu un peu sale. Donc c'est un animal sauvage. Quoi. D'accord, mais on le retrouve quand même dans les maisons. Bien sûr. Ok. Donc c'est vraiment c'est tout ce que tu as dit. Oui. Ah ok, donc le moustique est un animal quoi? Le moustique est un insecte non? Voilà, tu as dit que le moustique est un animal, c'était une question piège. Allez, merci hein. Merde. Donc il n'est pas domestique parce qu'on l'a pas domestiqué quoi? Ouais en fait. Et ça veut dire que les chiens qu'on n'a pas domestiqués là sont des animaux sauvages? Non, c'est pas ce qu'il a dit. D'accord. Ok. Donc pour toi, le moustique, c'est un animal sauvage. Oui, pour moi, c'est un animal sauvage. Ok. Ça ne te vient pas l'esprit que le moustique n'est pas un animal, mais un insecte. Ouais, en fait, oui. Ouais. C'est maintenant que ça me fait penser. À ton avis, le moustique, c'est un animal domestique ou sauvage? Un animal domestique ou bien c'est un animal sauvage? Moi, je sais pas de réponse à ça. Non, dis non. Tu as des choix. Si on dit domestique, ça veut dire qu'on est en train de soi, de l'élever. Que moi, je ne pense pas. Si on dit sauvage, ça veut dire qu'il vit peut-être dans la nature sauvage, quoi. Mais l'autre encore là, je ne pense pas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse à ça.
je t'ai demandé si c'est un animal, c'est l'un ou c'est l'autre. Le moustique d'abord n'était pas un animal. C'est quoi? C'est... Bien, bonne réponse. Tu es tombé. Tu as, c'était une question piège. Non, là, je suis tombé. Au moins que j'ai réfléchi après, bon. Bravo, bravo. Un insecte, c'est un insecte. D'accord. Tu vois que c'était évident. Allez, merci, c'était tout. Prochainement, tu vas retenir que le moustique, c'est un insecte et non un animal. D'accord. Mais tu ne penses pas que le moustique, c'est un insecte, non? C'est un insecte, oui. Un insecte n'est pas un animal. Ok, merci. Sorel, ce n'est pas un animal sauvage. D'accord. Ce n'est pas non plus un animal, c'est un insecte. C'est vrai. Ok. Merci beaucoup. D'accord, merci. C'était tout pour la question. Ouais. Sio. Attendez, qu'est-ce qu'on disait encore à la fin là? Ok, c'était tout pour cette vidéo. Ouais. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez aimé. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. Pour ceux qui nous découvrent, comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et lâchez-nous un petit commentaire. Et le petit pouce bleu, merci. N'oubliez jamais le petit pouce bleu. Allez, à plus.